C'est la rentrée ce soir. C'est une rentrée bien particulière parce que j'ai un morceau de truc dégueulasse sur le micro. Qu'est-ce que... Ah, je fais un peu d'ASMR, vous aimez? Ah, c'est nouveau, c'est un concept très agréable. Bonjour. Ça, c'était le bruit de mes dents sur le micro. On s'en fout, bref. All right, I'm gonna show you guys. I'm in party. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Du coup, bienvenue. Et n'y a-t-il pas meilleur endroit qu'une académie pour faire une rentrée? Et là, la rentrée en question, c'est quoi? C'est la nouvelle saison d'R6. Donc, on va tester tout ça ensemble pour le meilleur, mais surtout pour le meilleur. Donc, sur ce, on va partir directement en ranked. On va faire notre premier match de ranked de la nouvelle saison. Shiryu, t'es chaud? Bien sûr que je suis chaud. On est là pour win, Shiryu. Exos, t'es chaud? Ben bien sûr que oui. Shiryu? Ouais. Je te présente Exos. Exos? Bonjour, Exos. Exos? Oui, oui. Je te présente Shiryu. Salut, Shiryu. Salut, Exos. Y'a Skom dans le coin ou pas? On peut me ramener Skom parce que sinon, moi, je pars avec une team... Une team yes. Bisounours quoi. Bon, t'as quel âge Exos? Moi j'ai 8 ans. Je peux te poser une question Exos? Oui vas-y. Tu regardes souvent les lives de la Salty Academy? Quand tu dis tout le temps, c'est genre tous les lives? Pratiquement tous. Sauf quand c'est après 23h, je vais aller dormir. Il faut aller dormir après 23h, Exos, oui. Ça fait combien de temps que tu joues à R6, Exos? Une année. Ça fait un an. Donc t'as commencé depuis tes 7 ans? Oui. Non, je rigole, j'ai 13 ans. Merci de me rassurer. Pour le proc. Eh mais n'empêche, tu me rassures. Tu me rassures. Mais 13 ans, tu restes quand même un enfant. Oui, bah oui. Ta voix, tu vas pas la rendre plus grave. Mais bien joué pour le prank, parce que je te jure que j'ai vraiment cru. Je t'ai prank comme un bleu. Est-ce que je peux ramener mes copains pour jouer avec toi, s'il te plaît? C'est trop cute. Je peux pas dire non. Oh non. Non, eh, franchement, je vais vous péter. Je te promets, tu reviens à la prochaine game. Et pareil pour Kaylade, sorry. Ça... Promis. Promis, je vous promets qu'à la Fox prochaine. Au pire, voilà. Voilà, Fox et Kaylade, je vais vous péter, vous revenez à la prochaine game, je vous assure une okay, place. Ok, premier, bon bah on patiente. Alors. Ok. Ça marche, merci à vous les gars. Bah, tu l'invites? Ouais, mais il y a Sirius, il quitte pas. Ah, mais tu veux virer Shiryu aussi? Ok, non, pas de problème. Attends. Ah non, il peut rester, j'ai 12 points. 13 ans, mathématiques, c'est pas facile, hein. J'ai deux copains, Mary. Vas-y, ramène tes... Vous êtes tous là, les gars? Salut, Mary. Alors, Claude. Ça va, Mary? Claude. Oui. Ta voix n'est pas normale, toi. C'est... excuse-moi. Je peux parler plus bas, si tu veux. T'as 15 ans? Non, j'ai 14. T'as 14 ans. T'as 14 ans. Shiryu, t'as quel âge? 14. Et Alkia, t'as quel âge? Moi, j'ai 14 aussi. Ah mais toi t'as une voix entre les deux un peu. Ouais. Donc du coup on dirait un peu une femme qui parle. je le prends comme un compliment parce que c'est mignon les femmes donc ça devrait le faire. Oula. C'est mignon les femmes. Mais vrai. Mary t'as déjà fait le test en live non quand tu t'es transformé en infirmière? Mais non c'est l'infirmière qui est venue, c'est pas... Moi je me transforme. Mais elle a une voix un peu d'homme là, l'infirmière, c'est comme moi mais l'inverse. Ouais c'est vrai, c'est bien. Voilà. Mais du coup vous êtes pas un peu jeune pour regarder la Salty Academy? Mais non, vous savez que c'est une école de CP qu'on dit. Bah, le contrôle parental, bah voilà, hein. Moi ça me le bloque pas donc. Ouais, moi non plus. Et vous savez que les lives sont moins de 18 ans? Ouais, bon. Les restrictions d'âge, c'est pas un détail. Personne. Mais tu sais qu'on dit des grossièretés et que des fois on est très vulgaire. Est-ce que je peux recevoir une invitation? Gros, j'ai 13 ans, je m'en bats les couilles. De toute façon, à l'école, ils disent des grossièretés, alors. Mais... Ah, c'est bon. On va faire un truc, les gars. D'habitude, dans Game Viewer, j'amène pas les gens sur le Discord. Mais quand je vais vous demander le silence, ça sera silence, ok?
Ça marche. Parce que des fois je dois répondre aux viewers, des fois je dois parler, des fois je dois... Donc là je vous amène sur le Discord, à l'aise, ok. Là il prend ses aises. Lui. Bon, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est qu'on va déjà faire premier match de ranked. Vous avez déjà fait vos ranked un petit peu là? Non, pas encore. Là ça va être votre première, c'est la première à tout le monde. Ouais. Ok, bon bah let's go les gars. D'ailleurs moi aussi j'ai une team. Shiryu, toi on s'en fout. Bon bah hey, vu que c'est vous, vu que vous êtes une team, vous jouez ensemble, je vais suivre vos strats, je vais vous écouter. Ok. Bah le in-game leader c'est Exos. Non, tu peux le faire, Alker. Non, non, je voudrais que ça soit toi, Exos. Ouais, Exos il fera le in-game leader. J'ai envie d'être leader par... Mais ça va être gênant, gros. Mais ça va pas être gênant, t'inquiète pas, on va rigoler. On est la team baby. Team bébé? Non, baby j'ai dit. Ok. Baby c'est bébé en anglais. Bravo! Merci. De rien. On dirait vraiment une femme qui parle, c'est dérangeant tout. Alors pourquoi vous avez pris cette compo là? Expliquez-moi les gars. Alors, parce qu'on avait envie. Voilà. Ok, bon, c'est bien, c'est un bon game lead. Ouais, non, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, c'est bien. On a un preacher, on a un opener, on a un jammer, ça c'est. Ok, nice. Bon, vous voulez attaquer par où? Faire quoi? Explique-moi avec ça. Bah, déjà, on va voir le site qu'ils ont. Ils sont pas en top. Non, ils sont. Rook, Pulse. Pulse, il me semble. Bah, moi je propose une attaque par l'admin et Bondi last si vous voulez. Attaque admin? Moi, tu veux que je fasse quoi avec H? Moi j'aime bien jouer la fenêtre balcon. Bah, joue la fenêtre balcon si tu veux. Il est cool comme leader. Ouais, ouais, c'est. Il est flex. Bah, non, je vais pas casser les couilles, c'est déjà méga sympa de jouer avec toi, gros. Tu me lèches un peu le cul là quand même. Ouais, c'est. Ah. C'est Cade le last en fait. Ah, je le loupe. Il est à terre. Il va se relever, hein, c'est un doc. Ouais, ouais. Nice. Doc et transit. Ouais, transit. Faites gaffe que ça me joue pas. Ça va peut-être me jouer en bas. Non, oh, non, je suis en train de dire. Oh non! Oh non! Doc mort. Pourquoi je suis tombé? Et du coup, tu sais, vous savez qu'à cause de vous, je suis obligé de me retenir, de pas dire de gros mots, d'être poli, d'être gentil et pas trop. Ah, mais c'est vrai, Exos, il a l'habitude avec moi. Vous voulez pas qu'on aille en haut? Ouais. Parce que moi, j'ai une responsabilité là. Je ne peux pas me permettre de vous influencer dans le mal. Il va te taper sur les doigts sinon. Ce soir, je voudrais que ce soit un live super sweetie. On est la Sweetie Academy. Ça veut dire quoi? Ok, la Sweetie Academy. Sweetie, ben on est doux, on est gentil. Hein? Ok? Ouais. Ok, ok. Donc que des mots doux, c'est ça? Que des mots doux, je veux pas de vulgarité, je ne... Ah non... Shiryu, de mémoire, sale fils de pute. Non mais c'est vrai que Shiryu, c'est pas la première fois que tu nous fais le coup d'avoir des décos en ranked. Oui mais avant, c'est parce que vraiment j'avais des coins mais je comprenais pas pourquoi, mais là vraiment j'ai pas de problème. Mary, tu peux mettre un piège trap à drone comme ça, on empêche le monde du trick, stop. Putain, il a des strats calculés. Ouais, ah carrément. Ouais, c'est... C'est quoi? Tu veux que je la mette où en fait? J'ai pas suivi. Ici, trappe à drone. Tu le colles ici. Comme ça, si le mec il passe, eh ben, il se fait niquer. Il est pas du tout sur ton drone, hein, c'est vrai. Oh putain, il a déjà des strats avec Nomad. Lui. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai on a bossé dessus. Bien, les gars, bien, bien, bien. Alors, tu veux que je le mette où ton truc là exactement? Colle-le dans la trappe à drone. Tu peux me dire si ça m'en dit trick? Ils vont le voir. Je t'en fous. Ouais, tu t'en fous, regarde. Okay. Vas-y. Hop. Vite, fais gaffe si ça m'en dit trick. Ok, je... Oh non, ça m'en... Oh non... C'est 4. Oh. Ah oui, c'est 4, je suis beau. Ils font le travail, hein. Moi j'ai fait quoi? 0 kill, 1 kill, voilà. 1 kill, 2 assists, Cloud, Exo, Alka... Je peux te remplacer dans le duo si tu veux. Il demande de faire une dédie, car il peut pas être là. Qui? Il s'appelle Nitrox. Attends. On s'en fiche. Qui? Nitrox. Nitrox, il veut quoi? Il veut une dédie. Il veut quoi comme dédie? Dis-lui salut les petites saucisses. Ça, c'est un gros youtubeur et il aime bien quand il dit ça. Salut les petites saucisses. Attends, c'est lui qui dit ça? Oui. Ouais, c'est son introduction. C'est un youtubeur? Oh non! Oui. Combien d'abonnés il a? 800. 800. Et c'est quoi le nom de sa chaîne? C'est Nitrox. Nitrox. Ok. Alors, dédicace à Nitrox. Allez tous pas voir sa chaîne. Parce qu'il est vraiment nul et il aime les petites saucisses. Ouais, non, c'est pas vrai, allez lui faire un coup. Parfait. Non, c'est parfait comme dédicace. Il se casse des œufs sur la tête. Ouais, il est pas normal quoi. Mais ça, c'est parce qu'il est un problème mental, tout ça. Ça arrive, les gars, ça arrive. Allez, c'est parti. On se concentre, on est en train de gagner 3-0. La première game est importante. Bah, gros, tu m'expliques l'intérêt des co-game? En plus, une fois, on a entendu sa maman l'engueuler, mais bon.
Virginie, elle était pas contente. Hein. On s'appelle pas Virginie, du coup, ferme ta gueule. Ah merde, excuse-moi. Ah ouais, tu te laisses pas faire quand même. Tu veux bien m'acheter la fille, oh putain, il y avait la Attends, chute, tais-toi. Je t'ai rembarré, mec. Ça fait mal. Ouais, je peux descendre.